Bonjour et bienvenue, on est reparti pour du War Tales. Voilà, j'étais en train de penser avant de commencer. Si on bougeait les moustiques de place, est-ce qu'on a besoin de mettre les moustiques quelque part en fait, bien précis ou pas? Pour que ça marche. Je sais pas trop. À la limite, on aurait dû mettre un seul moustique avec la piqûre. En fait, un seul moustique avec la piqûre. Ils peuvent pas jouer les moustiques au jeu là? Non, on peut pas. Un seul moustique avec la piqûre. Parce que si c'est seulement un, ça faudrait pas les respecter. Non, on va pas les respecter, ça va pas. On va pas payer 500 pour respecter un moustique quand même. Mais après, on met fureur en fait. Donc un seul qui pique les gens, parce que c'est limité à un apparemment. Hein. Enfin, la dernière fois, on avait passé 3 nuits, je crois, en tout. Et il y a toujours une seule personne qui s'est fait piquer. Alors après, est-ce que c'est un pourcentage ou alors c'est toujours du 100%? Ça, c'est autre chose aussi. Parce que ce qu'on en a 5, peut-être qu'on a plus de chances de qu'une personne se fasse piquer. Je sais pas. Bon, en tout cas, on doit se balader. On doit aller là-haut. Du coup, c'est par là. Me touche pas, on a des trucs volés. C'est la fraternité. Ah! On a une hache à augmenter. On peut respé les moustiques? Ouais, on peut. Ouais. Alors, améliorer. J'en sais rien si on le fait. Si on le fait, ça va pas coûter très cher. 500! Ah, c'est bon quoi. Pas plus. Voilà, 21 de force. Oh! Quoi? Lire pour apprendre une nouvelle stratégie pour une table de stratégie. Encore une autre. Dressage. Ah non, stratégie dressage. Oui, non, mais on l'a déjà. On l'a déjà, madame. Mais ouais, un peu déçu là du moustique. Faudrait aller en refarmer en fait. Faudrait en récupérer 4 nouveaux. Comme ça, on a fureur sur 4 personnes. Et un, il pique. Il pique. Ah ouais, non, mais les mecs ils sont isolés. Mine de Néprune. Néprune. Là, il y a des mecs. Là, c'est quoi ce bordel ici? Chaumière isolée. Il y a plein de petites choses ici, c'est cool. Voilà, limite un seul moustique dans le. Dans le camp. Attends, tu vas me dire qu'on peut pas vérifier là les étagères parce qu'il y a quand même des trucs là. Ah, ok. Bon. On continue. C'est bizarre. C'est quoi ça? Clairière des Teules. Oh, est-ce que c'est là qu'on fait les tatouages? Wow. Wow, c'est classe.
Alors, Druides Aedegan. Que veut-on faire ici? Ce lieu est sacré. Oh, les peintures de guerre vous intéressent? Vous n'êtes pas des étrangers comme les autres. D'habitude, les gens des autres royaumes trouvent nos coutumes barbares. Je pourrais vous montrer la manière dont nous préparons les pigments si vous permettez de ne toucher à rien. Promettez de ne toucher à rien, pardon. Très bien, l'initiation peut commencer. La seule chose qui me manque, c'est de la matière première. Pour fabriquer la couleur la plus courante, il me faut des os à réduire en charbon, des carcasses d'animaux. Oh putain, ferai l'affaire. Les marais et la forêt environnante sont les terrains de chasse. Oh non, c'est ça. Carcasse 20. Non, mais non, on en avait. Désolé, je m'énerve. Bon, il en faut encore 15. Ça marche. Ah, il y a un mec, je savais pas. Je suis encore apprenti, je n'ai pas le droit d'approcher les pigments. Mes tâches se limitent à nettoyer le four au charbon et faire la lessive. Je ne suis pas un larbin comme un autre, un jour je serai druide et même les trackers s'inclineront devant moi. D'accord, ça marche. Et chacun a ses rêves, mec. Hein. Chacun a ses rêves, tant que ça te fait vivre, c'est bien. Putain de forêt ici. Par contre, il y a eux qui m'inquiètent. Ah, ça va. Qu'est-ce qu'on fait? On se repose maintenant? Allez, on se repose maintenant. On va aller combattre tous les. Les sangliers là qu'on a vus. Putain, il nous faut vraiment de la nourriture. Ils sont pas gras les machins là? Putain. Moi, je suis dans la merde. Oh, il nous faut de la viande. Comme ça va. Oui, parce que c'est. Ah non, ça recommence le problème. Oui, parce que maintenant il y en a un qui a faim. Ah, le jeu il fait met pas les choses bien à jour. Bon, les moustiques piquaient d'autres personnes. Ah. Ouais, non, c'est qu'un seul. C'est bien qu'un seul. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oui, le monde est grand. Célébrer. Donc ouais, un peu déçu. Un peu déçu du des moustiques en fait. Parce que on s'était chié à les récupérer, mais ça marche que sur un truc. Donc il en faut un seul avec ça, avec prélèvement sanguin, pas plus.
faites un peu chier les cochons. Sont les tireurs là. War ici. Ok, Renard ici, ça marche. Oh, vache. Pas obligé de faire aussi mal, hein. Ouais, pas très bon. Ah, lâche-moi. Ok, là on devrait... Très bien. Joli. Ça va, on a un peu plus de facilité à les tuer, honnêtement. Maintenant, on sait à quoi s'attendre, donc ça va. Quoi. Ça va nettement mieux. Oh, 3. Est-ce que tu peux... Non. Bah, tu peux en toucher 2, puis après on finit l'autre. Ah, quoi que tu peux te booster d'abord. Tu te boostes et tu fais ça. Joli. Non.
pas besoin, honnêtement. Pas vraiment besoin. Ouais, on va essayer d'avancer. Enfin, d'avancer. Pas vraiment, on fait un peu les missions, les grosses missions, là. Après, il y a des... Il semble avoir des gros combats avec des bandits. On verra. On verra, on verra. Mais là, on a les peintures et tout ça. Là, je voudrais bien débloquer les peintures et tout. Si on peut débloquer les peintures, ce serait cool. Je sais pas ce que ça fait. J'espère vraiment que ça fait des buffs. Ça va, sympa. Non, on a besoin des carcasses. Très beau. Ouais, on a besoin des carcasses. J'espère que ça va être genre... ouais, moi je verrais bien des buffs. Parce que c'est quand même vachement... Vachement relou pour les pour aller faire les peintures. Déjà, alors de 20 carcasses, bon déjà ça court pas les rues. Et il faut venir dans cet endroit maudit quoi. Donc hein. Ça se pose là, hein, comme façon de faire. Lui là qui est embêtant. On doit le finir. Ah mais ça va, et on peut faire ça putain. Et là il meurt. Magnifique. Ah, on commence à devenir un vrai as du barrage. Eh, on n'est même pas lourd. Cool. C'est reparti. On passe plus de temps à se placer que à combattre en fait. Bon, là, c'est un peu un terrain de merde. Ça devrait aller. On peut peut-être faire... Kirik. Kirik qui est quelque part. Kirik qui est là.
C'est pour pas trop taper dans la réserve de... de bravoure. Pam, 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 pam. Alors là, on a Lucie qui peut s'en occuper. Là, on va mettre Cass, Classka, pas Cassandra. Faire des bombes. Magnifique. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose que elle va one shot des trucs. Voilà, on one shot celui-là qui a pas de dot. Pas mal. Là, on a encore pas mal de monde. On a gagné Galva, oui, on a gagné Galva. Déjà, il y a ça. Absolument qu'on augmente leur passif là. Ça, la préparation. Parce que Fury avec riposte. Ah oui, il va cartonner. Hein. Il va vraiment cartonner. Bien. Parfait. Non, non. Il faut de la viande, des carcasses et tout ça. Après, on va faire directement les carcasses. On va donner les carcasses directement. On va pas. On va faire la mission là, la ville là. On ira après. Poison et saignement, c'est pas grave. Thank you.
plus que 5. Oh, qu'est-ce que c'est abusé ce truc quand même. Quand même bien abusé, hein. Barrage. Putain. Une fois qu'on a bien géré le personnage et tout ça. Ah, oh, c'est vrai que Klaska et tout ça, ils peuvent tanker les crocos. Ils risquent rien du tout. J'avais complètement zappé aussi ce détail. J'avais complètement zappé le fait qu'ils aient, ils ont même pas besoin de faire attention à ça, quoi. C'est super. C'est juste super. Ouais, je crois qu'il va falloir attendre un tour encore. Mais bon, c'est pas très grave. Doucement avec vos petits moustiques à la con, moi j'en ai plus gros des moustiques. Dis soigne-toi. Soigne-toi petit. Et après le fait aussi que ça ignore la garde, ça tape la vie et ça ignore la garde, c'est quand même... Niveau de dégâts ça se pose là au final, hein. Ça se pose bien. Pas dire, mais ça reste quand même super intéressant. Ils vont où Putain, mais comment ils vont vite. Moi, je lutte dans la forêt. Oh, il y a des... Il y a des méchants. Ouais, non, c'est quand même intéressant. Tiens, on a tes carcasses. Parfait, nous allons maintenant les brûler pendant des heures sous la terre, à l'abri du vent et du soleil. Le résultat sera un charbon animal d'un noir intense, un noir d'os. Nous l'utilisons comme pigment de peinture, mais certains clans le préfèrent comme encre de tatouage. Bien, c'est enfin l'heure. Putain, d'accord, combien de temps est passé? C'est enfin l'heure de récolter les fruits de votre larveur. Le charbon est parfait, êtes-vous prêt au... Prêt pour votre transformation. Ok. Ah, choisis qui? On prend Will. Ou Kirik, qui est le capitaine, c'est le chef Kirik.
Ah, c'est le chef qu'on va prendre, Kirik. Ah, ok. Pas trop quoi prendre. Et que ça soit le chef. Truc qui montre que c'est un chef. Peut-être ça fait un peu chef. Ouais, ça fait chef. Parce qu'après les rayures comme ça à travers le visage, ça fait un peu guerrier en fait. Là, je voudrais un truc qui fasse chef, genre couronne et tout. Là, ça donne un peu. Ouais, vas-y. Cela vous convient? Vous souhaitez un autre ornement? Oh, parfait état. Oui. Will. Alors, Will, il nous faut un. C'est pas mal ça. Ça vous convient? C'est un autre ornement. J'ai combien de crocs? Ouais, ça va. On va faire les 4 de base. Arène chasseuse. J'aime bien ça. On dirait un crâne. Oui. Il reste plus que mener. Marrant. Je sais pas quoi lui mettre mener. Peut-être ça, c'est pas mal. En noir. Partir, merci. Yay! Mais peinture de guerre maintenant. Est-ce que les... Maintenant, est-ce qu'on peut avoir d'autres peintures dans les autres camps? Ah, peut-être qu'ils le font tous maintenant. Peut-être qu'on n'a plus besoin de venir ici. Par contre, vous allez vous prendre... Voilà. Est-ce qu'on a besoin de réparer nos trucs ou pas? Ouais, ça va. Ouais, bah c'est... Ouais, je pensais que ça ferait un peu plus, quoi. Ah, c'est du skin, quoi. J'avoue que je suis un peu... un tout petit peu déçu encore.
des petites déceptions comme ça. Je m'attendais à mieux et tout, mais bon, pas grave. Ce n'est pas grave. Après, c'est leur équipement qui va pas, quoi. Vous arrivez dans la classe, mais... Mais ouais, pas l'équipement, quoi. Ça pour éviter de trop puiser dans notre bravo encore une fois. Et où neige? Un peu merdé là, non? On a le cheval quoi. Ça va. De gens tuer. Très bien. C'est beau. Ah oui, je voulais juste tester mener, genre les mettre côte à côte, ça fait quoi? Meilleur ami. Ouais, d'accord, ça fait rien en fait. Bon, je suis déçu. Je pensais que ça allait faire quelque chose, mais... Tu t'es pas un coup de lance dans le ventre, alors c'est bête. C'est vraiment bête, dis-moi. C'est comme si j'avais déjà prévu ton arrivée et tout. Est-ce que c'est des gens d'une quête ou pas? Non, c'est juste des gens qui se baladent. Je crois. Ah, ils vont pas se balader longtemps. Hein.
J'aime bien le fait qu'on voit les corps et tout. On dirait vraiment du... J'en ai déjà parlé, on dirait vraiment du Total War pour ça. Quand on voit tous les corps, les combats et tout, ça reste. Là, c'est pareil, bon, c'est une échelle plus petite, hein, nettement plus petite, hein, mais je sais pas, ça me rappelle ça, moi. Ça me rappelle un vrai champ de bataille en fait. C'est ça que j'aime bien. Puis c'est grand! Peuvent se faire te prendre ça ou pas? C'est des moustiques, ça vole. Oh, t'es sérieux? Peut se. Un moustique qui se prend un piège de. Un piège à ours. Ah bah, on aura tout vu hein, dans le jeu. Ah oui, c'est ce que je peux faire, je peux en mettre deux sur les côtés comme ça. Hop là. Il reste 3. 1, 2. Où est-ce qu'il y a du combat encore? 3. Ah là là, un moustique qui se prend un piège de. Piège à ours comme ça. On aura tout vu. Joli. Hop là. Bien joué. Bien joué l'équipe. Ah. Alors, fais voir un peu ça. Non. Ah. Donc là, c'est le critique. Aubert dehors la loi. Après, la brigandine, c'est dégâts d'attaque d'opportunité. Attends, pourquoi? Pourquoi la moine garde? Pourtant, elle est mieux. Ah non! Ça, c'est niveau 7, mais il y a 2 étoiles. Donc, les stats sont boostées. La merde, alors. Là, on a Brigandine, Renégat, une étoile, mais 8. Ah non, c'est mort en fait. C'est con, ça avait l'air bien. Après, pour lui, c'est haut du crit.
Ou dégâts des attaques d'opportunité. Je dirais crit, ça reste mieux. Je sais pas. Par contre, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, je vais rallier cette, cette partie à une autre vidéo. Enfin, à la suite, mais ouais, je vais m'arrêter là. Donc, du coup, ça sera une pause au final. Mais ouais, il faudra qu'on... continue les missions. Les trucs sont toujours pas gras. Et il y a un truc ouais, qui m'intéresse à quand on parlait là, c'était de voler des poneys en fait. Si ça marche. C'est une chose qu'on aurait pu faire. Alors, 120. Ou 2800, il va falloir qu'on récupère de l'argent aussi. Mais dis-moi, je suis dans la merde là, niveau nourriture. Oh, qu'est-ce que tu me fais le jeu là? Bon, les moustiques, ça me fait un peu de la peine quand même. Genre, il en faut qu'un seul. Je pensais vraiment qu'ils allaient en piquer l'un après les autres. Oh, sanglier graille. Mais je pensais vraiment... Oh mon merde. Lentille en verre. Lorsqu'on regarde à travers cet objet, la vision est déformée. Il semble que la lentille devait être insérée dans quelque chose. Ouais, ça me... Comme j'ai dit, hein, ça m'embête. Parce qu'en fait, il faudrait aller en rechercher des moustiques. Si on veut faire ce que j'ai dit. Genre un seul à le prélèvement sanguin. Et puis après on fait que de la fureur. Mais bon, c'est déjà impressionnant qu'on puisse les avoir, les moustiques. Bon, on a nos sangliers qui sont gros, c'est bon. On va pouvoir se débrouiller. On consomme pas énormément de viande après, enfin de nourriture, ça va, c'est pas catastrophique. Mais ouais, j'aurais bien voulu que ça soit mieux. Après, si ça pouvait... Le problème en fait, c'est que c'est limité que aux humains, donc on a vu, hein, chaque fois c'est toujours humain. Si ça pouvait faire les chevaux de temps en temps, ou les animaux, ou quoi que ce soit, ça pourrait vraiment être cool. Genre on en garde 5 et ça pique un peu au hasard et plusieurs fois. Mais au final, ouais, non, c'est, je crois que c'est vraiment limité qu'à un seul. Je vais peut-être faire des recherches un peu pendant ma pause. Peut-être faire des recherches vite fait. Mais après, ils sont quand même vachement intéressants hein, par rapport aux autres. Par rapport aux autres animaux. Entre les crocopores, là, ils sont vraiment cool. Mais alors là, les moustiques, je crois que... Je dirais que ça bat quand même. Le fait de taper dans la vie. Puis ça ignore la garde, donc peu importe si ça fait pas beaucoup de dégâts de base, ça va faire quand même des dégâts, beaucoup. Ouais. Non, c'est vachement bien fait.
Allez, moi je vais faire une pause. Je continuerai plus tard. On va faire. Là, on a de la mine. On a ça, le clan de Néprume. On va faire ça. Puis après, on a ces deux trucs. Pour qu'on aille récupérer un peu d'argent. À tout de suite. Bonjour et bienvenue. Ah non, c'est la deuxième partie de la même vidéo. Désolé. On continue. Moi, j'ai fait une grande pause. Il y a une journée qui s'est produite depuis. Donc, on en était où ? On était où ? On était là, on avait fait noir d'os, on a mis des peintures. Désolé, faut que je me remette un peu. Ouais, on a mis des peintures à nos paysans. Donc, yes. Ok. Donc, on avait dit qu'on voulait potentiellement donc faire ça. Et potentiellement récupérer des nouveaux moustiques. Pour pouvoir changer pour ça, transfusion dopante. Parce que ça, apparemment, un seul moustique suffit et c'est une personne par nuit et pas plus. Donc ouais. Donc on voudrait transfusion dopante. À la place. Et on va garder les moustiques. On va garder les moustiques parce qu'ils sont cool. Ouais, ils sont techniquement plus intéressants que les crocopores. Ils ont pas de problème de déplacement. Ils tapent directement dans... Tiens, on va faire eux. Ils tapent directement dans la vie. Ok, alors, fais voir un peu... Fais voir ce que ça dit pour 3. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment bas en armure ou pas? Non, ça va. Ça va, ça va. Mais ouais, le fait de pouvoir taper dans la vie directement, c'est vrai que ça change un peu la donne. Surtout qu'on fait... Nous, on aime bien faire des dots. Donc, voilà. Dun, dun, dun. J'ai toujours des problèmes d'internet en plus en ce moment. J'ai pas internet, c'est bien. Je suis obligé d'utiliser 4G. Faut que je regarde s'il n'y a pas eu des mises à jour sur le jeu. Alors... Il nous manque 2, ça marche. Lucie, tu peux te déplacer sur lui. Bah, j'ai envie de dire, tu peux te déplacer surtout sur... sur lui ou l'archer pour le one shot, comme ça on n'en parle plus. Beaucoup mieux. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a après? T'es sérieux là? Sérieux? Oui, t'es... Sans déconner. Bam. Alors toi, joli. Hop, normalement tu devrais mourir. Très bien. Ouais,
Kong. Putain. C'est vrai que le coup d'ignorer la garde et tout, ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Hein. Je me demande... Je fais des dégâts, il se soigne à moitié des dégâts. Et après, c'était quoi? Non, je crois que c'est le poison ou le 50% de dégâts en plus. Après, c'est suceur de vie ou alors je sais plus trop quoi. Faudrait faire des tests. Je sais plus, faut que je regarde. Mais ouais, si jamais on voit des moustiques, on va en reprendre 4, hein, au moins. On va au moins en reprendre 4. Ah, il y a Mené ici, très bien. Magnifique. Magnifique. Putain, les dégâts. Oh la vache. J'avoue que c'est... Putain. Pas mal. Alors, de la rage. Très bien. 2, 4. Et après, frappe orgueuse. Yay, ok. C'est pas top top honnêtement, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'ai envie de dire que c'est le plus bas pour le moment. Le barbare là, il est pas super super intéressant. J'ai même envie de lui remettre le... Ouais, mais ça sert à rien. Enfin, le coup du feu, quoi. Parce que, à la limite, il avait quelque chose de spécial. Mais là, bah là, il a plus rien. Hein. Là, il a vraiment plus rien. Oh là, ça m'emmerde. C'est les haches. Les haches, elles sont pas top. Voilà, c'est juste les haches, en fait. Les haches à une main... On n'a pas des bonnes. On n'a vraiment pas des bonnes. Attends, ce qu'on va faire, c'est ça. Ah merde, vous avez déjà joué, fait chier. Eh bien, on peut mettre d'autres animaux. Non. Est-ce qu'on a d'autres animaux? Non. 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 Waouh. Sans de dégâts. Ah tiens, attends, ça lui a cassé l'armure. Ah merde.
Donc ça fait vraiment pas ça en fait. Ça fait vraiment une attaque normale. Bon après... Bon il a fait 100 de dégâts quoi. Mais d'accord. Donc on peut pas tuer avec attaque. On peut pas faire... Comme si ça traversait l'armure et tout ça, ça tapait directement la vie. Bon, c'est pas grave. Non. Non, on veut des drops. On veut des drops. Est-ce que je peux passer? Ok. Ow. Voilà, touche pas le sanglier, gros. Touche pas le sanglier, ça a pas la tête. Incroyable ces gens, aucun respect. Aucun respect. Ouais, non, trop... non. Très bien. Voilà. Oh. Ah, c'est sympa quand tu t'énerves. Faut juste que tu t'énerves un peu, quoi. Alors. Ouh. Une étoile niveau 8. Enfin niveau 9 et il faut niveau 8 pour... Ah attends, alors attends. Donc déjà, là c'est mieux. Ok, bien. Toi aussi là c'est mieux. Là c'est différent on va dire. Et Niège c'est de lourde. Alors toi t'as déjà ça. Alors on va peut-être te mettre ça, comme ça on peut te mettre une pierre de critique ou un truc comme ça. Attends. Est-ce qu'on peut pas booster un peu les deux en fait? Toi c'est quoi, 9 et 1? Alors, ça fait pas beaucoup de changements en fait. Par contre toi ça. Toi c'est quand même nettement mieux. On va jeter ça. Après on a ça, qui est aussi pour les niveaux 8. C'est pas mal, mais... Ouais, on n'a pas vraiment besoin non plus, donc on va le vendre. Ça aussi, on va vendre. Mouais. Bien joué. Alors, les mines Neprum. Oh putain, ils sont déjà réapparus les trucs. On en a tué deux pourtant. Deux packs. Il y a déjà encore des crocos. Je vous assure que j'ai entendu que ce que j'ai entendu venait d'un monstre. Peut-être un pestiféré ou un cornac. C'est quoi un cornac? Qu'est-ce qu'on attend pour avertir la garde? Ça fait 2 jours que nous n'arrivons pas à nous décider. Peut-être pourriez-vous nous aider? Nous avons fermé l'accès à la galerie secondaire à cause de bruits bizarres que nous avons entendus. Mais depuis, plus rien. Nous n'osons pas déranger la garde ou les traqueurs parce que s'il n'y a rien, nous serons la risée des villageois.
Mais si nous détruisons la barricade et qu'un flot de rats contaminés contamine toute la région, nous serons tenus pour responsables. Est-ce que vous voudrez bien jeter un coup d'œil pour nous? Franchement, à quoi ça rime? Il y a tout le temps des beaux bizarres dans les mines. Pourquoi s'inquiéter de cela en particulier? Je suis assez d'accord. Mais on sait jamais. Mais on sait jamais. Attendez une seconde. Je n'ai pas complètement prêt. Okay. Alors déjà... Capitaine Kirika. Avec des peintures. Oui, on s'était peint la gueule donc la dernière fois, mais il n'y a pas de buff, rien. Je pensais vraiment avoir quelque chose. Je pensais vraiment avoir quelque chose. Donc un tout petit peu déçu de ce côté-là. Mais après, il faut regarder les autres camps qui nous disent « Ouais, si vous voulez des peintures, machin, il faut aller à Ludren et tout ça. » Donc maintenant, on l'a fait. Peut-être qu'on peut récupérer des choses maintenant. Peut-être qu'on peut récupérer des choses. Bon, on est bon. On est bon. Let's go. Détruire. Yes. Je sais pas pourquoi à chaque fois c'est du avec des piquets. Avec une pique là. Du grès. Bon, allez, on y va. On va voir ce qu'il y a. Ah, oh, c'est juste des ratopes. Observez. Il y a un hydratope en fait. Vous venez de trouver un responsable des bruits. Allez, c'est parti. Un hydratope niveau 9, c'est pas mal. Hein. Parce que les ratopes, on peut pas les récupérer. Hein. À part dans les temples et tout ça. Donc les ratopes, c'est un des meilleurs. Nous maintenant on est parti pour les moustiques. Alors, si je mets ça là, ils pourront plus faire grand chose. Alors on en a 24, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais on a des AOE. On a des AOE. Les sangliers derrière parce que les sangliers sont pas très très combattants. Ok. Je pense qu'on va devoir utiliser Kirika en premier. Faudrait le mettre là à la place du cheval. Tout ça pour récupérer des points là. Kirika. Parce que depuis qu'on a plus les ours, faut le reconnaître hein, ça. C'est quand même différent, hein, sans les ours. Ouais. C'est quand même différent. On a moins de bravoure et tout ça. Donc on doit faire un tout petit peu plus attention. Allô, tu peux provoquer ça? Merde, d'accord, que un seul, tu te fous de moi. Ouais, non, tu te fous de moi là en fait. Surtout qu'ils font méga mal. J'ai une idée.
pas top en fait. À peine 3. Putain, il est mal placé en fait. C'est vrai qu'ils se gênent les uns les autres. Ça, c'est pas considéré comme pestiféré. Hein. Alors, au bout d'un moment, au bout de deux tirs, il va... Oh mon dieu, putain, il est arrivé à lui. D'accord. Et chez, il l'a gardé. Non, il l'a pas. Ok, on va devoir faire un tout petit peu plus attention là parce que je me suis foutu un peu dans la merde. Je pensais pas qu'il ferait aussi mal que ça. Mais bon, j'ai dit que les ratopes étaient vachement bien. Donc ne pas les sous-estimer. Est-ce que je le tape ou pas? Je sais pas. Non, je pense pas. Évidemment. Putain. On va sauver notre copain. Putain. Pas me déplacer, non, de sans déconner. Ça fait de la merde. Elle, on va bloquer les rats. Lui, il va mourir du poison ou pas? Non, hein, il va pas mourir du poison. Lui va aller sur Lucie, elle craint rien. Évidemment que ça fait 85. Ils ont 86 de vie. Ils ont 86 de vie. Je vous répète, ils ont 86 de vie. Aïe 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 aïe. Incroyable. Magnifique.
Ok. On va mettre le cheval devant. Allô. Hop là. Hop là, protection. Protection de Wanart. Ça, maintenant, il est one shot. Aider un peu plus la situation ici là. Je sais pas trop comment. Mais... Ah. Oh la vache, j'allais dire Niage, il risque pas grand chose, mais putain. Ah ouais, là, dans le dos, ouais. Putain, ça fait mal. Ça fait mal. Lui aussi devrait mourir, ça va. Je sais plus s'il est à court de flèches ou pas, à court de tir. Ah, quand le déplacement est pas là, c'est pas la même. Quand il ne s'est pas doublé. Hein. Des limites, on n'a plus l'habitude en fait. Ah, c'est limite, on n'a plus l'habitude de se positionner en fait. Non, on va les tuer parce que ça fait des rats. Là, ça va, on a des points en plus, on a de la bravoure en plus. Donc, on va pouvoir se buffer avec. Avec le mouvement là. Enfin, quoique même, ça sert un peu à rien. Ouais, c'est ce que je veux dire, un peu à rien. Eh, presque. Nickel. Vie quoi. J'aurais bien voulu qu'ils aient un peu plus de vie parce que quand les combats ils ont 120 de vie au niveau 9, nous ils sont dans les 100 en fait. Donc un peu bête. Okay.
Tiens, moustique, va te soigner. Hop là. C'est abusé ce truc. Abusé. Ah, au final, il a juste à résister à un tour. Oui, voilà, c'est pour ça que je voulais récupérer. Par contre, il y a trop de carcasses. Quoique, attends, on peut virer des humains. Ok. Alors, vous sentez un courant d'air filtré à travers le nid. Brûler une fois une torche. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, on revient. On a une torche à crafter. Alors, craftage. Je me demande si ça serait bien de pouvoir crafter à l'intérieur comme ça, là. Un peu comme les temples où on peut se mettre en camp. Je sais pas. Sortir, ça va, ça mène où ? Ça mène dans une petite zone. Ah ah. Alors, dès qu'on a un secret. Le camp ressemble à un débarcadère de contrebandiers. Cool. J'aime bien ce que les débarcadères de contrebandiers, ça fait le deuxième qu'on trouve. Et à chaque fois, ils avaient donc des remèdes contre la peste. Ça, c'est bien. Ok. C'est bon, on a tué vos rats. Des râteaux, bon sang, on serait sur nos gardes à partir de maintenant. Minerai de fer et batté. Batté, je sais pas ce que c'est. Merci d'avoir vérifié. Nous devons une fière chandelle. On vous doit une fière chandelle plutôt. Nous vous devons une fière chandelle. A une chance d'augmenter le nombre de minerais récoltés. Avec un peu de technique et un certain coup de main, il devient possible de séparer la boue et les gravats des minerais convoités. Ah, ça c'est intéressant. Nous on a augmenté la chance de trouver des pierres précieuses en minant. Je dirais que plus de minerais c'est bien parce que le minerai c'est rare. C'est rare en plus à acheter. Genre, il y a très peu de marchands qui en vendent à chaque fois des minerais de fer. Donc le batté est mieux, je dirais. Après c'est Klaska qui a fait mineur aussi. Tiens, on peut te mettre trouver des pierres précieuses. N'y achète ça. Médecin. Tiens, je sais pas pourquoi ça sert. Mais... Alors. Merci beaucoup. Quoi ? Non ? On va aller au... Oh mon dieu, putain de merde. Ouais, on a un petit problème avec le poids, là. Est-ce qu'on peut faire cuire des choses ? Évidemment que non. C'est embêtant ça. Tiens, 118. 1, 2, 3. Voilà. Alors toi, tu vas me faire ça. Et où notre... voilà. Notre érudit. Notre érudit barbare. Ok. Je voudrais aller au village en fait. J'ai l'impression qu'ils attaquent pas. C'est bizarre ça. Du coup, c'est un village fantôme ou c'est un vrai village ? Clan de Néprune. Ah non, c'est un vrai village. Il y a un marché et un cabinet. Alors, bonjour.
Ces bestioles, ne vous y trompez pas, elles sont plus intelligentes qu'un banal sanglier. Regardez comme elles nous ont coupé toute retraite. J'avoue. Ah, j'avoue que vous êtes dans la merde, hein, les gens. Mais bon, enfin, vous pouvez quand même aller les combattre, non? On le fait bien. Alors, il nous en faudrait 6. Alors, maintenant, on voudrait quoi? On voudrait quoi? Viol des marées. Non, truc d'arag. Hop. Très bien. Les aider, faut genre faut tuer les trois d'un coup, les enchaîner. Ah, chef du clan Neprune. Vous êtes parvenu à entrer malgré les cocobores, je ne sais pas ce qui leur prend. D'habitude, ces saletés restent dans le marais. Voilà des jours qu'ils attaquent quiconque essaie de sortir du village. Dès qu'on baisse la garde, ils tentent d'entrer dans les maisons. La situation est grave, nous n'avons plus de bois pour allumer le feu d'alarme et nous ne sommes pas assez nombreux pour atteindre les pour attendre les renforts. Un coup de main serait pas de refus, ça marche. Alors, ça fait chaud au cœur. Pour commencer, il faut s'occuper du feu d'alarme. Déjà débité tout ce qu'on avait, il ne reste plus que nos murs. Trouvez-nous du bois pour prévenir des autres clans. Oui, on en a plein. Cébus, c'est peut-être bien notre salut. Merci, mercenaire. Retrouvez-moi devant le brasier, je vais le préparer. Ok. Ah, est-ce que pourrons parler un peu à l'écart, juste un instant? Gakko. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il se pourrait que je ne sois pas vraiment marchand et que peut-être je ne sois pas étranger à l'attaque de ces crocopores. Ah, j'avoue, c'est entièrement ma faute, j'ai commis une erreur, c'était un accident. Je pensais que cette expérience était sans danger et les réactifs étaient sûrs, mais je me suis mépris sur les dosages. Je suis un érudit d'Alazar renommé et j'ai un titre de professeur d'université. Et ces barbares s'en fichent. S'ils découvrent que je suis coupable de leur malheur, ils me pendront haut et court. Laissez-moi filer en douce avant qu'ils ne se posent des questions. Distrayez-les quand les renforts seront là. Je vous en prie, j'ai une famille, je vous donnerai toutes les crônes que j'ai sur moi. Ça marche. Alors. Ça tenait m'acheter quelque chose, oui. Eh ben. On achète du loup. Ça nous fera peut-être tenir encore une nuit. Et après, on va commencer à tuer les sangliers. Là. Bon, attends. On fait quoi en premier, là? L'union fait la force. Parler à la chef Bertha. L'union fait la force. Suivez les indicateurs. Oui, bien, merci, super. C'est parfait. Le bois et l'huile sont en place. Dès que nous verrons le feu, l'alarme, le clan Yebe et Garusa se précipiteront ici. Nous serons assez nombreux pour nous débarrasser des crocopores. Mais en attendant, tout va reposer sur vos armes. Les flammes rendent les crocopores fous. Dès que le brasier sera allumé, ils vont attaquer. Préparez-vous, car le combat sera long. Vous enflammerez vous-même le feu d'alarme quand vous serez prêt. Ouais, d'accord, carrément. Eh, ça descend vite, hein, quand on fait un peu moins attention. Alors, attends. On aime bien faire la cuisine avant le combat, ça nous... Même si on mange pas, faire la cuisine, ça nous motive. Ça nous motive. Ok, du pain. On a le dressage qui est prêt. Ouais, on est bon, on est bon. On est bon. C'est que des crocopores, quoi. Après, j'ai envie de dire, est-ce que on peut utiliser
Les bombes, la d'odeur. Enfin, je sais pas, je pense pas. Parce qu'il va tellement en avoir. Ça sert limite à rien. Après, ça, ah, ça peut les forcer à bouger. On peut les forcer à bouger. Zone odorante. Lui, je suis en train de me dire que c'était mieux quand il avait le truc de feu. Alors, renfort d'amur. On avait dit qu'on voudrait quoi, toi, du critique et tout ça, enfin du dégât, quoi. Alors, on a quoi? Garde, force, force critique. Critique, mouvement, armure, force critique. Oh, attends, non, il faut qu'on dorme. Il faut absolument qu'on se repose. On n'a pas de bravoure. On n'a que 5. Et si jamais le combat est long. Ouais. Si jamais le combat est long, ouais, ça va être relou. Très bien. Attends, qui c'est qui pourrait augmenter maintenant? Il y a 8, il y a Isha qui pourrait faire la cuisine aussi. Je vais voir, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas faire grand-chose. Bien. Attends, Ija. Ouais, Ija, c'est le mec résistant et tout ça, un peu chelou en fait. Ou alors on lui met un truc de DPS force. Ouais, je sais pas. Pour l'instant, on va rester comme ça. C'est l'heure de manger. Alors, ça, voilà, maximum de points. Très bien. Bah, on n'a pas grand-chose. J'ai envie de dire, on n'a vraiment pas grand-chose en fait. On a zéro diversité, c'est bien. Moustique à piquer, 6. Putain, on n'arrive pas. Ah, j'avoue que le coup de pas avoir les ours, ça fait quand même une différence. Alors, jamais aussi bien dormi de ma vie, le ventre bien plein et les dents au fond qui baignent, rien de tel pour être en forme le lendemain. Alors, gagner vigilant, relation avec les autres. Ah! On peut peut-être motiver, comme ça on a 2 points de plus. Voilà, 13. Très bien. C'est bon, on est prêt. Vous avez mis le feu d'alarme, yes. Ils arrivent sur nous. Oh, des niveaux 10! Ah. C'est des niveaux 10. Est-ce que ça vaut le coup d'en capturer ou pas? J'avoue que là, par contre, ça change peut-être la donne.
Ah mais bon, ils consomment quand même beaucoup de bouffe, hein, c'est con. Non, c'est bon. On va pas en capturer. On va pas en capturer. Putain, il y en a partout, quoi. Fait chier. Attends. Pas mettre Jean là. Tiens, ici on peut mettre One Art en fait. Il serait dans la boue en fait. Il serait plus ou moins protégé. Il serait plus ou moins protégé par la boue. Jack. Ici. Attends, Klaska et tout, faut pas les mettre en plein milieu là. Parce que là, on risque gros. Pardon, hop. Ah oui, il y a eux aussi là. Klaska, War, là il y a Wanart, il y a Ija. On a Lucie ici, Will, Wit, Taurus, Niège. Niège, on peut peut-être le rajouter ici à la place. Pour avoir un peu plus de tank. Voilà. Et ceux-là, on les laisse vadrouiller. Okay, très bien. Parce que lui, il peut pas bouger en fait. J'ai envie de dire que c'est peut-être pas si mal. On va faire du poison, parce que là on peut en faire 3 d'un coup. Il n'y a que celui-là qui a un problème, honnêtement. Très bien. Joli. Moins joli. Ici. Ouais. Faut penser que ceux aux épées ils sont immunisés aussi contre le feu.
Contre. Ah, le poison et saignement. Donc, Klaska et tout ça, c'est des très très bons tanks du coup. Je pense pas qu'on ait besoin de faire ça. On va peut-être garder des points quand même. Voilà. Ça va. On aurait pu peut-être le tuer, mais bon, honnêtement, ça passe quoi. Honnêtement, ça passe. Très bien. Sans déconner. On a Aether. Aether, il est où? Ah merde, je les ai mis côte à côte. Quel con. Puisque lui aussi il a brutalité. Bon, il a pas brutalité aussi grand, mais il aurait pu buffer les autres ici. Putain, quel débile. Bien que tu le tues avec ça, nous ferait 2 points. Pas trop en demander. Stick à la rescousse. Ah, lui peut faire chier par contre. Lui peut faire chier. Non, non, ça ira. Ouais, après, j'avoue, oui, des crocopores niveau 10, c'est tentant. Hein. Si vous voulez des crocopores. Bon, maintenant on est parti sur moustique. C'est bon, ça y est. Mais si vous voulez des crocopores. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, quand même, hein. Quand même, hein.
Ah, ils sont full vie. Ils sont full vie. C'est marrant parce que, du coup, ça, on avait vu que ça, passe, ça faisait des dégâts à l'armure, je crois bien. Hein, moins que j'ai, la dernière fois où j'ai fait une connerie, on, j'ai mal vu. Donc, c'est pas considéré comme si c'était la pique. Mais par contre, le passif fonctionne. Le passif de buveur de sang fonctionne. Parce que là, ils ont été full vie. C'est intéressant. Ce groupe a toujours pas bougé. Ça y est, maintenant ils vont bouger, quoi. C'est ouf. Ah, c'est con, hein, patauger dans la boue comme ça. C'est vraiment bête. Hein. Yeah. Ah, bien ça. C'est bête, ils vont pas dans le barrage, fais chier. Les attaquer de ce côté à la limite. Encore 10 quoi. Ah la vache. Encore 10 à se faire. Ça va, on gère beaucoup mieux maintenant. La première fois qu'on les a combattus, c'était un peu lag, la panique et tout ça. Vu que ça fait poison, saignement et tout ça. Maintenant, ça va, on gère. Ça se passe super bien. Encore une fois, ça c'est le coup des... Des tanks à l'épée là qui sont immunisés aussi, ça aide, hein. ça aide. Joli.
Ah, Will, il a pas joué. Putain. On n'a pas utilisé Will le destructeur. Il s'appelle l'ami des bêtes, honnêtement. Il devrait s'appeler Will le destructeur. Avec cette lance de malade. Il était déjà fort à la base, mais alors là... Alors toi, tu peux aller jusque là, ça c'est con ça. Alors... On va prendre le bonus. Lui qui arrive, pas très grave. J'ai envie de faire ça. Quel... C'est de la merde. J'ai fait de la merde. Ouais, 4-5, ok. Quel débile. Ça sert même à rien de se mettre en joue. Parce que je pensais à mettre le mur de pique là, genre comme ça, mais ça sert à rien en fait. Ça aussi. C'est des mecs, ils vont jamais y arriver. Ils pas encore maintenant quoi. Ça va nous prendre encore un tour avant de les tuer, je crois. Ça va nous prendre largement un tour. Est-ce qu'elle est aussi trop loin? Peut-être les moustiques qui peuvent. Ah. Fais pas de critique surtout, okay, au cas où le critique serait vraiment, nous aiderait vraiment à progresser, n'en fais pas. Honnêtement, on va pas les tuer eux. Dans ce tour-là. Donc il va falloir encore se taper encore un tour. Donc ça me saoule un peu. Voilà, on est un peu plein. Oui.
Waouh, tous morts. Vous avez réussi, mercenaires. Vous nous avez tous sauvés. Les autres sont déjà partis en direction du marché. Dépêchez-nous de les rejoindre. Okay. Il y a l'autre à faire sortir, là aussi. Alors, on fait voir, toi. Vous n'oubliez pas notre accord, n'est-ce pas? Allez-y, occupez-les, je vais m'éclipser. Merci encore. Je savais que je pouvais compter sur vous. Faites pas les timides mercenaires, prenez ce que vous voulez sur le banquet, c'est le vôtre. Tout ça, c'est en votre honneur. Si vous n'aviez pas été là, on serait tous dans les panses des crocopores. Vous faites partie du clan maintenant, de la famille, on peut dire. Alors acceptez cette récompense comme le cadeau de notre part. Dénoncez. 50, 100, 100. Acceptez la récompense sans rien dire. Yes. Ah, merci. On est lourd. J'ai fait me casser une jambe sur le trajet, deux fois même. Je suis trop vieux pour courir comme ça. J'étais en train de me laver quand j'ai vu l'alarme. J'ai dû m'habiller sur le trajet. Je crois que les vendeurs du marché ne sont pas prêts d'oublier ça. Les pauvres. C'est tous la même conversation? Ah non. La solidarité, c'est ce qui tient Arak debout depuis 1000 ans. Quand un clan est attaqué, les autres tiennent prêts à l'aider, toujours. C'est normal d'être venu au secours d'un autre clan. Neprun aurait fait la même chose pour Yebel ou Garusa. À votre santé, les mercenaires. Eh ben, merci. On a sauvé... on vous a sauvé. On en sauve des gens. On en sauve... Vous êtes un membre de la famille maintenant. Appelez-nous pour n'importe quoi. On répondra présent. Vous pouvez pas venir. Une étrange lettre est parvenue. Quelqu'un lance un chemin isolé. What? Attends, c'est quoi ça? Ah là là, on est lourd. Attends, il y a quoi là? Le mec qui part, c'est le mec qu'on n'a pas dénoncé, c'est ça? Oui, toujours lourd. On a combien de cadavres? Ouais, d'accord. Okay. 1, 2. Hop. C'est lui là? Qui ça? Ah bah oui, bah c'est le mec qui part, je crois. Bon, on va devoir s'arrêter là. On va devoir s'arrêter là. Des bombes, on en a. Sans dire ça va. Il nous faut des fioles. Ok, ouais, on va s'arrêter là pour cet épisode en deux parties pour moi. Apparemment, il y a une... Ok, c'est là, les chaumières isolées, on doit y aller là. Rendez-vous dans la chaumière isolée de Luderne. Ça, en plus, on connaît là, on y est passé pour faire l'arbre. Ça marche, on va faire ça. On a un peu d'argent. Bah, ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé même. On s'est pas vraiment fait taper en plus, honnêtement. C'était tranquille. C'était vraiment, vraiment tranquille. on va continuer ça avec nos moustiques cardinaux. Mais ouais, comme j'ai dit, si jamais on en rencontre d'autres, on va en récupérer 4 nouveaux et on va tester du coup la transfusion dopante. Là. Ça a l'air pas mal. Mais vraiment cool. Taurus. Taurus, ouais, c'était un peu lent. Tu veux bientôt être niveau 9. Je sais pas si on devrait pas mettre Taurus à l'entraînement pour qu'il ait son... sa hache, en fait. Ça irait quand même nettement plus vite.
Ouais, mais Taurus, c'est le barde, c'est ça qui est con. Non, on peut pas. Bon, c'est pas grave, on continue à jouer comme ça, c'est pas grave. C'est pas emmerdant. C'est pas très très emmerdant. Par contre, un truc, c'est que je crois qu'on commence à arriver à la fin du jeu. En tout cas, de l'early access, quoi. Où on a fini les trois régions, et ça, c'est la quatrième, et je crois qu'il n'y a rien d'autre. Je serais étonné qu'il y ait autre chose, mais je crois que c'est la fin, parce que quand on regarde la carte, là, il y avait des bordures et tout ça, on pouvait pas aller plus loin. Il y a des chemins qui vont vers l'extérieur, mais ils sont après bloqués par du brouillard et tout. Ils vont peut-être à Silent Hill, on ne sait pas. Mais voilà, genre là, par exemple. Là, on peut pas y aller. Genre là, c'était bloqué par un brouillard. Donc, faut voir. Mais ouais, il nous restera ça encore. Mais c'est sympa, c'est beaucoup de combats ici. C'est vraiment en combat, il n'y a pas trop de politique, rien. Ça change de Grimmir. Là, c'est vraiment en combat, combat tout le temps. Mais on se débrouille bien avec nos moustiques et tout. C'est marrant. Sympathique. À la prochaine, ciao ciao.